Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là, 18h tout pile. Et comme chaque jeudi soir, c'est parti pour 30 minutes de débriefing de l'actualité high-tech avec, à mes côtés, vous le voyez, c'est écrit dessus, enfin là, c'est Jérôme Colombin. C'est écrit là. Voilà. C'est dur. Il n'y a hein. pas de faute d'orthographe, c'est bien ça. C'est là. Salut Jérôme Colombin. Salut François, il est de retour, François Sorel, il est bronzé, il est heureux, il a regonflé ses batteries. Merci beaucoup. Tout va bien. On va parler de réalité virtuelle ce soir. Avec un masque de réalité virtuelle très surpuissant et autonome, c'est le Mirage Solo de Lenovo et Aymeric Siméon, notre spécialiste des mondes parallèles, l'a testé. On verra ce qu'il en pense dans quelques minutes. À quoi ressemblera exactement la 5G? Vous savez qu'on en parle beaucoup en ce moment. À quoi va-t-elle servir cette 5G? Eh bien, pour le savoir, direction la Corée du Sud, Pyeongchang. C'est ça la 5G? Écoute, je ne voyais ça, pas ça comme du, ça. Mais... Ça, c'est du bobsleigh, ça, c'est du patin à glace. Et donc, en effet, la 5G est en vedette aux Jeux Olympiques. C'est pour ça qu'on vous montre ces belles images. Les JO qui servent de vitrine technologique actuellement en Corée. Amélie Charnay nous dira tout à l'heure. Zéro à Live Hebdo, chaque jeudi, vous le savez, c'est également l'occasion de jeter un œil sur les tout derniers produits high-tech qui viennent d'arriver au labo 01net et qui vont passer à la moulinette des tests les plus terribles. Alors ce soir, on vous fait découvrir un petit drone adorable. Il est mini, mais costaud. Il vous suit comme un fidèle toutou. Il ne prend presque pas de place dans votre valise. DJI frappe très fort avec son nouveau Mavic Air et David Noguera l'a testé. Jusque dans la neige, il l'a testé. Voilà, alors lui, il l'a testé dans la neige, et moi, j'ai eu la chance aussi de le tester, mais au soleil. Ah oui, il y a les... Je donnerai un petit peu mon avis. Soyez pas jaloux, c'est dingue ça. Mais il n'y a que des haters ici. Ouais. Oh, c'est pas possible. Les mecs qui reviennent du soleil, si tu veux. Et ben voilà. Et en fait, le smartphone de la semaine, puisqu'on terminera bien sûr, un zéro en live sans smartphone, ah non, ce n'est pas un zéro en live. C'est une fondue savoyarde sans crouton. Voilà, c'est un peu ça. Sans lardon. Et le smartphone donc, de la semaine est signé Huawei, les amis. Il s'agit du Pi Smart. Alors que vaut ce nouveau bébé du géant chinois doté d'un écran 18/9? C'est Raphaël Grably qui, vous le savez, dort toujours avec ses nouveaux smartphones, qui viendra nous en parler tout à l'heure. Voilà, c'est le programme de ce 01 Live. Merci d'être avec nous. Vous pouvez interagir comme d'habitude sur Twitter, hashtag 01 Live ou même sur YouTube où nous sommes en direct. C'est parti. Et on commence comme d'habitude, François, par la question 01net Orange. Mais oui, c'est une institution maintenant. Hein, pour chaque 01 Live, on vous pose une petite question liée à l'actu. Tout à l'heure avec David Noguera, on va parler de drones. Eh bien, voici notre question qui, franchement, là, bat des records de simplicité. Des fois, on fait des trucs un peu alambiqués, ouais. etc. Là, c'est sobre. Là, autant simple vous dire... et efficace. Franchement... Possédez-vous un drone? Voilà, la semaine prochaine, possédez-vous un briquet, oui. possédez-vous un vélo. C'est ça. Donc, possédez-vous un drone? En plus, on a fait très original dans les réponses. Hein. Oui, non. Vous, c'est à vous de nous dire. N'hésitez pas. Attends, mais c'est intéressant de savoir le nombre de gens qui ont ou pas un drone. Mais tout à fait. Et tout à l'heure, si tu me le permets, je te donnerai mon avis sur ce type d'achat. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un drone? Moi, je l'ai testé et je vous dirai humblement mon avis tout à l'heure. On frétille d'impatience. Vous savez qu'on est en direct, donc hashtag 01 Live sur Twitter si vous voulez nous laisser un petit message, mais aussi via YouTube, via le flux Twitter. Des commentaires sur YouTube, puisque nous sommes en live, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, au passage, vous cliquez sur « Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 01net TV ». Pour débuter, donc, c'est Aymeric Siméon qui ouvre le bal. Aymeric, bonsoir. Bonsoir François, bonsoir Jérôme. Comment ça va? Salut, Aymeric. Ça va. Alors, Aymeric a testé un nouveau masque de VR, comme on dit. Voilà. Alors, je l'ai pris en main, on va dire. Pas tout à fait testé parce qu'on ne l'a pas eu physiquement au labo, sinon il serait dans la partie labo. Exactement. Voilà, c'est donc comme ça dans on la partie actuelle, voilà, on a eu la chance de le prendre en main là durant un événement parisien que Lenovo a donné pas plus tard qu'hier. Et effectivement, donc c'est le Lenovo Mirage et qui s'accompagne donc de c'est ça. C'est le nouveau masque quoi finalement. C'est le nouveau. J'aime bien quand il dit le nouveau. Alors en fait, les blagues la semaine dernière, ça nous avait pas tellement manqué. D'accord. Voilà. Merci. Bon, enfin bref. Voilà. Alors il y a parce donc que François n'était pas là, donc il y avait moins de blagues forcément. Voilà.
Donc je continue. Donc il s'appelle le Novo Mirage Solo et il s'accompagne d'une petite caméra qui s'appelle la Mirage Camera, comme c'est original. Alors on va préciser tout de suite que c'est pas parce qu'on achète le masque qu'on aura la caméra. Il y aura peut-être des offres séparées, mais pour l'instant non. Alors on va se concentrer sur la particularité de ce masque. Voilà, parce que masque, c'est vrai que d'habitude dans ces masques on a toujours des fils qui partent, qui vont vers un ordi. C'est vers ça. Une et console, ben là il y en a pas. Là, il n'y en a pas du tout. Oh en my fait. God, voilà, le casque il est complètement autonome. Il est, voilà, on appelle ça un casque autonome. Pourquoi ? Parce que toute la base technique est embarquée derrière la visière. Et donc c'est l'écran, pas un smartphone, c'est pas collé un smartphone dans, dans la visière. Hein. Par contre, c'est une plateforme de smartphone qui est à l'intérieur, parce qu'il y a un Snapdragon 835 dedans, donc un processeur pour smartphone à la base. Et puis, il y a 4 Go de RAM, il y a du stockage. Donc, en fait, tout se passe dans le masque. On va avoir accès au portail donc Daydream de Google, donc un portail un peu particulier, c'est une base Android hein, quand même, on va le rappeler. Et puis donc on va se connecter avec son compte Google et puis on va avoir accès à une petite centaine d'applications et encore. Hein, je suis pas sûr qu'en France on en ait autant. Notamment YouTube VR, Netflix VR, voilà des petits jeux, etc. Et on va pouvoir évoluer sans contrainte, c'est-à-dire pas de câble qui me retient un PC ou pas de smartphone qui se décharge. Et pas de manette non plus alors. Alors si une petite manette comme sur le Daydream de Google, le casque en fait, hein, donc qui ressemble d'accord. plus à une petite télécommande, garnie de quelques petits boutons et puis d'une surface un peu ronde creusée sur laquelle en fait on va pouvoir faire évoluer le pouce pour faire bouger un petit personnage, faire bouger le curseur, etc. Alors l'autonomie elle est donnée entre 5 et 7 heures suivant ce qu'on en fait. Ce qui est assez intéressant. C'est vraiment de la pub comparative, là, hein, par ton ouais, leur alors film voilà. de promotion. C'est très, avec celui des copains, vous êtes oh, sur y a votre siège, fils, voilà, oh, et puis avec le nôtre, voilà. Alors, c'est vrai qu'on a une certaine sensation de liberté, on va pas se le cacher, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a chaussé le masque, enfin qu'on l'a mis sur sa tête, on le règle un peu comme un PSVR, il y a une espèce de molette crantée à l'arrière qui permet de le serrer, et puis bah voilà, on est parti. Il ressemble un peu au PlayStation VR. Tout à fait, voilà, hein, c'est tout à fait ça. Donc là, on a eu, nous, la possibilité de pouvoir, en plus, renvoyer les images sur un Chromecast qui était connecté à un écran. Comme ça, on pouvait... c'est sympa, voilà. Ça, c'est rigolo. Ça, c'est une fonctionnalité que propose le casque. On peut streamer, finalement, en direct, ce qu'on voit, nous, dans le casque, pour, par exemple, les copains. Il n'est pas très lourd, trop lourd, parce qu'il a l'air quand même assez... Alors, il a l'air un peu massif, mais ouais. En fait, non, ça va. Hein. Une fois qu'on l'a bien posé, bien réglé, il est plutôt agréable à porter. Maintenant, je ne pourrais pas vous donner son poids, parce que je n'avais pas ma balance à côté de moi sur le... Ah, il ne jamais sortir sans sa balance. Voilà, alors, par contre, je peux être une balance, hein, faut se méfier. Hein. Mais pour ah ouais, le coup, donc, voilà, tu t'y mets ouais, au black un petit peu quand même. Attention. Je te concurrence quand même. C'est contagieux. C'est ça, voilà. Alors, la capacité de stockage, je ne pourrais pas vous la donner parce que pour l'instant, chez Lenovo, ça fait un peu partie des choses qu'on ne dit pas, tout comme la définition de l'écran, etc. C'est marrant parce qu'il y avait plein d'informations qu'on n'arrive pas à voir. Oui. Et comme, par exemple, un prix. Eh bien, ça, il n'y en a pas non plus. Ah, voilà, je ne peux pas vous le donner d'accord. le prix. Par contre, je peux vous dire que ça va arriver en mai. D'accord. Mais okay. je sais pas. Ouais, donc c'était vraiment un premier coup d'œil. Quoi. Voilà, c'est ça. Bon, mais alors, parce que tu veux pas nous donner le prix ou parce que tu ne peux pas le communiquer ? Ah non, mais parce que je ne l'ai pas. Tu ne l'as pas, d'accord. Voilà, non, ça va être quoi ? 200, 300, 400, 500, 600 ? On a une idée ou pas ? Bah non, alors j'ai à pas la d'idée. Louche. Alors à la louche. Si GTE, ça pourrait être cher. Si GTE, je taperai pas au-delà de 450 €, sinon il y aura personne pour l'acheter. D'accord, clairement. Ouais, mais en même temps, si on compare à un masque classique plus smartphone, enfin je sais pas, un Gear VR avec smartphone, on est à 1 300 €. Oui, mais là en même temps, le Gear VR il est compatible avec d'autres smartphones que les flagships de Samsung, donc tu peux mettre un autre appareil dedans éventuellement. Moi ouais. là, la base embarquée. Je pense que si on veut démocratiser la VR et puis aussi l'AR, donc la réalité augmentée, parce que bon, j'en ai pas trop parlé, mais on se doute bien qu'avec les deux capteurs qu'on a devant la visière, ça pourra servir pour faire de la réalité augmentée à terme. Si on veut un peu démocratiser tout ça, il faut arriver à baisser un peu le prix de tout ça. C'est l'important aussi, c'est la puissance, parce qu'il faut de la puissance de calcul pour gérer tous ces trucs-là. Ouais. Le Snapdragon 835 suffit à ton avis ? Bah écoute. Moi, j'ai pu un petit peu surfer dans YouTube VR, faire tourner quelques jeux. J'ai pu tourner, etc. Pas de latence. Pas de latence, c'est pas fait. Pas envie de vomir. Alors, de 5 minutes. Voilà, le mal des transports, on y est ou pas sujet. Moi, un peu. Là, j'ai pas été plus dérangé que ça, mais
pour en tout et pour tout, la séance, ça a été 20 minutes, un grand max d'essai. Donc voilà. Et les contenus, parce que c'est aussi un peu le nerf de la guerre. Hein, le portail des Dreams de Google, pour l'instant, c'est une petite centaine d'applis à tout casser. Certaines sont même pas disponibles en France. Et puis, bon, par contre, c'est assez varié. Il y a du Arte 360, par exemple, donc du contenu filmé. Voilà. Il y a du YouTube VR, donc avec de la vidéo, soit filmé à 180, soit à 360. Je finirai juste par un mot sur la caméra Mirage. À terme, ce qui va être sympa, c'est qu'on va pouvoir utiliser cette caméra pour créer son propre contenu. Donc c'est une petite caméra à part, c'est ça. Voilà, voilà c'est ça. Boîtier, avec deux yeux, qui rappelle d'ailleurs un appareil photo Fujifilm du temps de la 3D Vision d'NVIDIA, hein, avec lequel on pouvait faire des photos, etc. C'est assez petit, moi je voyais ça un peu plus gros. Alors parmi ses fonctions intéressantes, il est Wi-Fi et 4G. Ce qui veut dire que je peux appairer en fait mon appareil avec mon compte Google, je prends une photo et hop, ça l'envoie dans le cloud et quelqu'un qui met le masque verra la photo. Instantanément pratiquement. Quasiment instantanément. Mais là où Lenovo a envie de vraiment enfoncer le clou, c'est qu'à terme... Faire du streaming live. Voilà, ils disent qu'on va être capable de pouvoir streamer en live ce qu'on voit depuis la Mirage caméra sur le Mirage solo. Voilà. Donc, qu'on peut faire avec des petits gadgets style, tu sais, cette petite caméra 360, Jérôme, qu'on a testé dans Giroptique. Plus du nom. Giroptique, exactement. On peut faire du 360 sur Facebook, c'est ça. Mais avec une définition qui, j'imagine, sera moins bonne. Voilà, alors là, quand même, on a des possibilités, on a possibilité de capturer jusqu'en 4K. D'accord. Très bien. Voilà. Super. Donc, en mai, le verdict. Bah voilà, en mai, on espère recevoir, en espérant que le nouveau ait pas trop de retard. Bon, en tout cas, c'est sympa, c'est amusant. Oui, c'est sympa. Voilà. Dites-nous, vous qui nous regardez, ce que vous pensez de ce genre de produit. Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que ça vous branche? Est-ce que ça vous donne envie? Et puis, jusqu'à quel prix vous seriez prêt à aller aussi? Hein, puisqu'on fera suivre à Lenovo. C'est ça, on leur donnera des idées. Merci beaucoup, Aymeric. Bah, je vous en prie. Merci, Aymeric. Et peut-être que demain, ces casques de réalité virtuelle seront connectés à la 5G, Jérôme. Ah, quelle belle transition. Eh oui. Tu magnifique. Vois, quoi, je ne fais pas que des blagues pourries de temps en temps. Quoi, de temps en temps. Ah, mais les vacances, ça la requinqué. Les vacances, ça hop. Transition, blague, tout quoi. Ça va être une blague à la minute. Bonjour Amélie Charnay. Bonjour Amélie. Bonjour. Bienvenue Amélie Charnay qui, vous le savez, fait partie de la rédaction de Zéronet. Elle est spécialisée télécom chez nous. Et on va parler donc de cette 5G. On va en parler beaucoup de la 5G dans les semaines qui viennent puisqu'on sera au Mobile World Congress. Vous savez, ce grand rendez-vous du smartphone à Barcelone. Et on vous fera découvrir quelques démos 5G qui sont intéressantes, même si la 5G, on le sait, c'est pas pour tout de suite, hein, ça arrivera 2020-2022. Hein. Oui. C'est ça, Amélie. 2020, l'ouverture des premiers réseaux commerciaux et probablement pour que tout le territoire soit couvert, peut-être jusqu'en 2030. Oui, voilà, c'est ça. En étant optimiste. Ouais. Donc on a un peu le temps devant nous, mais malgré tout, on sent que c'est quelque chose qui intéresse les opérateurs, qui communiquent énormément là-dessus. Et il se trouve qu'au JO de Corée, du Sud, actuellement, il y a pas mal d'expérimentations 5G qui sont faites. Oui, alors il n'y a que ceux qui ont signé un partenariat avec les Jeux Olympiques qui ont eu le droit d'expérimenter la 5G, donc ça limite énormément le nombre d'acteurs. Donc en gros, c'est l'opérateur KT, qui est un opérateur coréen, qui s'est allié à Samsung et à Intel. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé, c'est la première fois que le public va pouvoir utiliser la 5G. Jusqu'à maintenant, les expérimentations, c'était des terminaux énormes avec réservés à des professionnels qui pouvaient tester le réseau. Ouais. Là, pour la première fois, le grand public peut tester la 5G. Donc, ils ont mis à disposition environ 200 tablettes autour des stades. Et il y a des applications dedans qui permettent d'être son propre réalisateur des événements sportifs. Donc, premier exemple, il y a ce qu'ils appellent l'OmniView. Donc, en fait, sur la piste de ski de fond, ils ont mis autant de caméras qu'il était possible pour suivre les athlètes individuellement. Donc, au lieu d'avoir une vue soit de tout le monde, soit du réalisateur qui va vous imposer le plan de quelqu'un, vous choisissez, vous, de suivre un athlète. Et ces athlètes sont équipés de capteurs donnent les données biométriques. Ouais. Et ça va switcher d'une caméra à l'autre. Voilà, donc vous choisissez, vous, l'athlète que vous voulez et vous avez ces données biométriques qui s'affichent en réalité augmentée sur l'écran. Donc plutôt sympathique. Ah oui, c'est pas le fait que on suit son parcours sur la piste grâce à toutes les caméras. Il y a les deux. Il y a les deux, D'accord. en fait. Et ils sont équipés également de GPS. Donc parfois les caméras se déclenchent en fait grâce au signal GPS. Autre expérience hyper intéressante, c'est le fait d'avoir filmé les épreuves à 360 degrés grâce à, il y a environ 100 caméras autour de la piste, de la patinoire. Mm-hmm. Donc pour tout ce qui est épreuve sur cette patinoire,
En fait, les gens peuvent choisir de voir un saut, par exemple, d'un patineur à 360 degrés. Ils vont interrompre l'action et revenir. Et c'est ça qui est là au niveau des flux vidéo, c'est quand même assez énorme. Et en fait, pourquoi on arrive à ce genre d'expérience? Parce que la 5G, c'est pas que plus de débit, c'est plus de capacité. Donc là, on a des usages très gourmands en bande passante, mais aussi très peu de latence. Donc oui, on va pouvoir avoir des flux vidéo qui vont être traités en séquence et rebalancés aux gens. Et hop, ils peuvent revenir en 2 secondes sur le saut qui vient de se produire et le voir, je suis en train d'allumer l'ordinateur, et le revoir sous un autre angle. Voilà, c'est vraiment plus d'immersion. Alors on est d'accord qu'il y a derrière tout ça un gros coup de com. Hein. Oui. On va dire que c'est du marketing parce que c'est de la pré-5G en fait. La standardisation n'est pas achevée. Parce que la pré-5G n'existe pas. Il y a premier jalon, mais c'est sur un cœur de réseau 4G. Il y a une première étape qui a été franchie en décembre, hein, ils sont mis d'accord sur une... Mais on est au bout du tunnel, là. On est au bout du bout quand même. Il y a une dernière expérience qui va être menée ce week-end avec les épreuves de bobsleigh. En fait, je sais pas comment on appelle ça, les traîneaux, les luges, je sais pas comment on dit. Les luges vont être équipées de caméras embarquées. Les traîneaux, c'est le Père Noël. Et à terme, ils espèrent aussi pouvoir mettre des caméras embarquées, pourquoi pas sur la tête des sportifs. L'idée, c'est de pouvoir choisir la vue. Ça, c'est la caméra 360 d'Intel, ou 180 d'ailleurs, pas 360 en fait. On avait vu au CES Las Vegas. Ils ont aussi filmé une trentaine d'épreuves à 360 degrés, donc à 180 degrés, si je raconte. Mm-hmm. Et du coup, les gens peuvent de chez eux, quand ils sont équipés du casque Daydream ou Gear, voir les épreuves en réalité virtuelle. Et ça, on peut le faire en 5G parce que le débit est supérieur à la 4G. C'est pas qu'une question de débit, c'est parce qu'il y a plus de capacité et moins de latence. Oui, mais là, pour la vidéo, au moins de latence, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Là, c'était par rapport aux différents flux des différentes caméras. Bien sûr. Parce que la 5G, c'est plus de débit, moins de latence et une meilleure couverture. Voilà, et tout est facteur 10 par rapport à la 4G. C'est 10 fois plus de débit, c'est 10 fois plus de capacité, c'est 10 fois moins de latence. Mmh. Voilà. Et 10 fois plus de capacité, ça veut dire que 10 fois plus de personnes peuvent être connectées sur la même cellule sans que la cellule se sente un petit peu oppressée. En tout cas, stressée. J'ai vu passer un chiffre, 1 million d'appareils connectés par kilomètre carré. En comptant tout, hein, smartphone, télé, cadenas, chaussures. Déjà, s'il y a tous les objets connectés qu'il y a dans ta maison. Voilà, il y aura tous les objets connectés. Je plains la cellule 5G qui Et on sera aussi capable de garder le signal à des vitesses énormes. C'est-à-dire qu'on prévoit de pouvoir garder le signal jusqu'à 500 km/h. A priori, c'est une situation dans laquelle on se retrouve assez peu dans la vie courante. Mais là, il va y avoir... À 500 km/h en avion. Ouais. Voilà. Dans Hyperloop, quand tu auras Hyperloop, ça sera plus que ça. Donc, la semaine prochaine, il y aura une dernière expérimentation qui n'a rien à voir pour le coup avec les partenaires. Il y a des chercheurs du CEA, donc Cocorico, qui conduisent une expérimentation un peu particulière en 5G. Donc en fait, il va y avoir des gens équipés de casques de réalité virtuelle dans des bus qui vont rouler à 80 km/h. Et qui vont pouvoir visiter des lieux qui se trouvent en Finlande, en direct. Ah oui. Donc il y aura des caméras là-bas. C'est vraiment juste pour la démo, parce que ça n'a aucun intérêt. Quoi. Si, l'intérêt c'est de prouver les mecs, qu'ils sont dans un bus capables. Qui visite la Corée et on leur projette des images de Finlande. Ça sera la première connexion intercontinentale. Il y a quand même 14 000 km entre la Finlande et la Corée. Donc c'est pour prouver qu'ils sont capables. Pour l'effet démonstration. C'est ça. Parfait. Bon, ben voilà, à suivre avec un article qui vous attend sur zeronet.com d'Amélie qui vous explique tout ça. On nous demande sur YouTube, dernière question, est-ce que la 5G vaudra le coup par rapport à la 4G? On peut pas vraiment répondre à cette question parce que ça va être vraiment complémentaire en fait, la 5G. Oui, puis la 4G ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et la 4G ne va pas disparaître pour autant, bien sûr. Voilà, et puis pour répondre à la question d'Android Windows qui nous dit on pourra jouer à des jeux réseau en PC en 5G. Oui, bien sûr, on pourra. Hein, tout ça, ça sera c'est vrai que pour le jeu, ça va être fluide. Surtout pour les zones blanches, quoi. Et surtout pour les zones blanches. Ouais, Voilà, hein, pour les zones. Enfin, qui ne s'appelleront plus les zones blanches. Oui. Il y a de la 5G. Voilà, c'est ça. Mais on le souhaite. Aujourd'hui, c'est vrai que ce sera pas mal. Ça va être bien. Ça va être bien ce monde 5G. Vous allez voir. Tout connecté. C'est pas pour tout de suite. Il faudra attendre encore un peu 10 ans. Merci à Aymeric et merci à Amélie. Merci à tous les deux. Et tout de suite, Jérôme, je te propose d'aller du côté du labo avec quand même deux fervents représentants du labo. Oh là là, c'est presque les meilleurs. On a fait péter le budget, autant vous le dire. Bon, il y en a un qui a failli mourir, là, il s'est pris un projecteur dans la figure. Ils n'arrêtent pas de se prendre les pieds dans les projecteurs. Si vous voyez tout ce qui se passe derrière la caméra, c'est pas joli. Il n'y a pas joli, que Pierre Thiolin qui peut avoir ce surnom de Pierre Richard. Et on revient dans un instant donc avec Raphaël Grabli et David Noguera. A tout de suite.
Ils sont là tous les deux, Raphaël Grabli, David Noguera. Vous le savez, on va parler de drones et de smartphones. Oui, mais auparavant, notre question 0net Orange de ce jeudi soir. Ah, qu'est-ce que ça donne? Alors, une question très compliquée, comme je vous le disais tout à l'heure. Possédez-vous un drone? Voilà, vous pouvez voter donc oui, non. Et si vous voulez la réponse, ça sera un peu plus tard. Ouais. Voilà, parce que là, pour l'instant, on n'a pas envie de vous la donner pour tout vous dire. Mais peut-être que dans quelques minutes, ce sera jouable si on arrive à convaincre. C'est nous qui allons les convaincre. L'un de nos amis nous afficher le bon résultat. Possédez-vous un drone? Oui, non, allez-y. C'est sur 0nettv.com que ça se passe. En tout cas, vous aurez peut-être envie d'en posséder un et d'en acheter un après ce que va nous dire David. Parce que apparemment, je crois que c'est un petit peu le coup de foudre, là, c'est David ça. Noguera. Bonsoir tout le monde. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le coup de foudre. Alors c'est moi qui commence. Alors j'ai l'impression d'être un peu bas. C'est... Bon. Mavic DJI Mavic Air. Ouais, c'est vrai on le montre. Hein. Non, c'est quand même pas un drone là, super vu comme ça. Joujou. Bah, le Mavic Pro était déjà un produit très compact. Donc quand ils ont sorti ça, on s'est dit ouais, ils ont fait fort. Et quand ils ont sorti ce Mavic Air, qui est quand même, allez, à peu de choses près, quasi aussi large. Ah alors, oui, du coup, oui, alors, attends, Jean-David, montre allez, ça, voilà, regarde, c'est la taille d'un smartphone. Il peut se cacher, alors il y a un train peut en cacher un autre, et là c'est le smartphone Galaxy Note 8 qui peut cacher un drone. Voilà. Si un jour évidemment, tu veux cacher ton drone, tu en peux largeur. Cacher derrière ton smartphone. C'est juste pour se faire une idée un petit peu plus précise de la largeur de ce drone qui, quand il est replié, fait un peu moins de 7 cm. Mm-hmm. Et évidemment, le but du jeu, eh bien, c'est tout simplement de le déployer. Ensuite, pour aller le faire voler, et hop, voilà, ces deux petits pieds, et donc là, on le voit à l'image, et voilà ce que ça donne. C'est quand même super, super compact, et c'est que des avantages super mignon, quand on veut aller emmener son drone avec soi en vacances, parce qu'on sait que ça peut pas aller en soute dans les transports. On a envie que ça casse, surtout que c'est fragile, et donc du coup, quitte à avoir un produit, autant qu'il soit le plus compact possible. Donc voilà. Et ce qui n'enlève rien au plaisir d'utiliser ce drone, c'est qu'il est super performant. C'est-à-dire que vraiment, on l'a essayé. Tu le disais François, on l'a notamment essayé aussi sous la neige dans ses fonctions de suivi et il est quand même très très stable. On va retrouver. Alors voilà, voici David Noguera dans ses œuvres. Voilà, c'est moi. Et donc là, c'est vrai que. Voilà, donc ça, c'est quand il rentre chez lui, sous la neige. C'est pas évident. Pas évident. Il allait chasser l'ours. Hein, quand on habite dans la forêt, forcément. Une fois que je sors du périph, voilà le périple qui m'attend. Non, blague mise à part, c'est vrai qu'on a profité d'avoir une petite accalmie niveau neige pour tester ce VTT. Et on s'est dit, puisqu'on a un VTT... Il n'a même pas vu la neige à Paris. C'est vrai. Je vais vous faire une confidence. Hein. Mais alors là, je suis ravi de ne pas avoir vu la neige. Ah non, mais là, sincèrement, les bouchons, tout ça, c'était cool. Donc c'est vrai qu'on a profité un petit peu de cet essai de ce gros vélo. Le test arrive aussi, la vidéo sur 0net bientôt. C'est ça, David. Pour tester la fonction de suivi. Oui, il teste trois trucs en même temps. En même temps, il fait une vidéo, il teste un vélo, un drone et des chaussures. C'est bon quand même. Attendez. Et le bonnet chauffant là par USB. Le bonnet chauffant aussi. Non, on est effectivement, on en a profité. Et donc là, ce qu'on voit surtout, enfin ce qu'on voyait à l'image, c'était la capacité du drone à nous suivre avec cette fonction d'active tracking. Et c'est vrai que c'est redoutable. Alors, fais-nous rêver, qu'est-ce qu'il a plus que les autres? On va retrouver toute l'intelligence de DJI et encore mieux que sur les précédentes versions. Parce qu'il a toujours ses capteurs, donc 7 en l'occurrence, caméra et capteurs ultrasons confondus. Et il va éviter tous ces obstacles et j'ai trouvé encore plus précis. D'accord. C'est-à-dire qu'on avait le Mavic Pro qui était déjà redoutable et il y a détecteur de mouvement à l'avant, enfin détecteur d'obstacles à l'avant, à l'arrière. Et il y a en plus ces fameuses commandes qu'on retrouvait avec le Spark, c'est-à-dire qu'on peut lui tendre la main et lui demander de se déplacer de gauche à droite, de lancer des commandes. Donc il y a vraiment... Quand il y a un obstacle, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête ou il Moi, nous, on essaie de... On a des plans où on lui dit, vas-y, rentre-nous dedans. Et en fait, non, tout ce qu'il fait, c'est qu'il arrive et donc, hop, il se stoppe. Alors, il y a une nouvelle fonctionnalité qui lui permet de contourner certains obstacles quand il les détecte, y compris vol en marche avant et vol en marche arrière. Voilà, donc là, typiquement, le plan qu'on voit là, c'est... Il s'est arrêté tout seul. D'accord. Exactement, avec cette détection d'obstacles. Et ça, c'est marche avant, marche arrière. Et c'est redoutable, c'est super efficace. La stabilisation de cette caméra 4K, le drone à côté des câbles à haute tension. Oui, c'est sympa. Non, mais c'était on est joueurs. Regardez JD comment il était couvert. Je peux vous dire qu'il faisait à peu près
moins 3 à ce moment-là. Et donc, c'est un peu ce qui était dommage. Donc ça, c'est la partie réglage vidéo, toujours aussi redoutable, vidéo 4K. Alors, c'est pas de la 4K comme on va avoir avec un GH5 ou etc. ou des autres caméras. Mais c'est plus de la 4K smartphone, c'est, on va ouais, dire. Hein. C'est de la 4K smartphone, on est d'accord. Ça fait quand même de très, très belles images. Et il y a ce mode Full HD 120 images par seconde qui peut être intéressant sur des descentes à ski, sur des parcours de VTT où on va aller un peu vite, on va faire du saut. Et comme le drone nous suit vraiment très bien, follow me, voilà, ça, bien, ça peut prendre vraiment beaucoup, beaucoup de sens. Et ça fait des images vraiment très, très sympas, je le redis, avec en plus cette petite télécommande qui est, alors par rapport au Mavic Pro, c'est vrai qu'on perd l'écran de contrôle, mais on retrouve ce mode avec ces deux mâchoires, donc l'écran de contrôle affiché des infos que, bah, qu'on va retrouver exclusivement maintenant sur l'application. Et voilà, et la on prise en main... On sent qu'ils ont vraiment travaillé la compacité. C'est vraiment redoutable. Les points faibles, quand même, il y en a. Ah bah, les points faibles, j'imagine. Alors, je pourrais te parler de l'autonomie, mais en fait, là, ça va être très difficile. Il faisait tellement froid qu'on a volé à peu près une dizaine de minutes. Et les points faibles, j'ai du mal à en trouver de difficiles. Les modes sont tellement intelligents. Toi aussi, tu as volé, mais il faisait pas froid et pourtant, t'es pas allé beaucoup plus loin que 10 minutes, non? Non, mais alors c'est vrai que moi, j'ai eu la chance aussi de tester ce drone, mais j'étais là sur une plage paradisiaque et vraiment dans un oui, lieu superbe. Oui, il était sur sa plage privée. Donc, c'est dingue parce que j'avais jamais piloté un drone, à part, une fois le drone Parrot, donc je suis pas un spécialiste comme toi, et j'appréhendais parce que c'est vrai que typiquement, c'est quand même assez impressionnant ce type d'appareil, parce que ça va très vite. La portée, c'est 4 km. Avec la télécommande, 4 km. Comme il est donc, tout petit, on le voit plus. Passer une cinquantaine de mètres, un truc comme ça. Et autant te dire que, bon, vu le bébé qui coûte pratiquement 1000 euros et qui me l'avait prêté, je faisais un peu attention quand même, parce que le perdre en plein milieu de l'océan Indien, c'est un peu embêtant. Mais malgré tout, c'est un vrai plaisir. Oh, désolé, je l'ai perdu dans l'océan Indien. Ouais, mais bon, mais ça fait 1000 euros quand même, hein, les gars. Mais écoute, y en a qui envoient des voitures dans l'espace, tu pouvais peut-être envoyer un drone dans l'océan aussi. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est très agréable à piloter. On comprend. Malgré l'interface qui est un peu chargée, je trouve, parce qu'il y a énormément d'options. Il y a un mode beginner, en fait. Je l'ai activé, mais le mode beginner fait qu'il ne reste qu'à 70 mètres autour de vous, ce qui est quand même embêtant parce que vous ne pouvez pas aller très loin. Donc au bout d'un moment, tu es obligé de le désactiver. Et en revanche, ce qui est génial, mais ça existe sur tous les drones, c'est que dès que vous êtes perdu, vous ne savez plus où il est parce qu'il est loin, tu appuies sur un bouton, paf, il revient. Et il se pose à l'endroit où il a décollé. Ça, c'est vraiment top. Et on est d'accord que l'autonomie, donc c'est pas plus d'une dizaine de minutes. Non, l'autonomie, c'est. Et alors moi-même, j'étais sous des latitudes plus clémentes. Et je pense qu'on était à peu près 10 minutes. Ouais. Donc il faut plusieurs batteries. Si on veut s'amuser un petit peu. Mais franchement, c'est un vrai plaisir que de piloter ce type de drone qui est tout petit dans la valise. Ça prend pratiquement rien. On n'a pas la pochette là, mais c'est la vrai pochette, que c'est une grosse pochette, on va dire, de. C'est plus petit qu'une pochette de toilette. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Alors du coup, ce qui nous emmène au prix, forcément, parce qu'on ne l'a pas donné. Alors tu as effectivement dit près de 1000 euros. Alors oui, on a 849 euros pour le pack de base. Donc c'est vrai que c'est pas donné. C'est plus cher qu'un Bebop 2 Power avec toutes ses options. Mm-hmm. Néanmoins, on est quand même sur une efficacité qui est quand même meilleure pour ce c'est Mavic une nouvelle Pro, génération. Mavic Air, pardon, voilà. Donc on est sur 849 euros, mais c'est pas le pack que je vais recommander. Ou alors il faut prendre 849 euros et mettre en plus 170 euros, je crois, en plus dans la batterie. J'avais noté le prix des batteries supplémentaires. Pour une deuxième batterie, 179 euros. Donc c'est quand même cher payé. Donc finalement, on n'est plus très loin. Ah ouais, c'est très très cher. Leurs batteries sont chères parce que c'est des batteries qui nécessitent beaucoup de puissance pour faire tourner tout ça. Donc mieux vaut prendre finalement le pack à 1049 euros et avoir quand même trois batteries. Ouais. Et là, voilà. Mais après, François, on en a discuté. Une fois qu'on achète ce produit, qu'est-ce qu'on en fait? Alors voilà. Et alors, pour conclure là-dessus, c'est vrai qu'on se dit, mais à quoi ça sert un drone? Et c'est vrai que c'est la question qu'on se pose. Parce que, bon, à Paris, tu ne peux pas t'en servir. Dans les grandes villes, tu ne peux pas t'en servir. C'est très réglementé. Mais malgré tout, je pense qu'il y a des moments dans l'année où tu as envie de te faire, par exemple, des photos de famille ou des petits films parce que tu te retrouves dans un endroit un peu à la campagne, etc. Ou alors pour des applications d'utilisation très précises, genre location de maison, je dois réparer ma toiture, je veux voir ce qu'il y a au-dessus. Mais ça, bon, là, on sort. On est plus dans le business. Mais c'est vrai que pour Madame Michu, on va s'en servir peut-être deux fois par an, mais malgré tout, ça permet de faire des moments, des photos, c'est un super des vidéos appareil photo, c'est exceptionnel avec une qualité professionnelle parce que on est bien. Nous, avec JD qui est là-bas à la Real, si on pouvait avoir ça pour les essais auto, je pense qu'on se marrerait bien. On va demander à DJI s'ils peuvent pas nous faire un petit truc. Voilà pour le Mavic Air. Merci beaucoup.
Oui, deux, d'accord. Oui, les photos de famille aussi, on va faire ça alors. Parfait. Les amis, il est 18h30. Oula, on aurait dû déjà rendre l'antenne. Mais non, mais on ne rend pas l'antenne. Oh, bah, je m'en vais, hein, c'est pas grave. Hein. Non. Mais non, mais non, Raphaël. Allez, c'est bon, je reste. Bah, faites attention, Raphaël est un peu triste quand même parce que le PSG s'est fait laminer hier. Il est un peu, bougon. Allez, on va troller. On lui avait dit qu'il fallait du côté de Cristiano. Voilà, mais... bon, j'ai l'impression que son chien préféré quand même. C'est que le match aller. Attends, il y a encore de la marge. Voilà, c'est bien d'être optimiste comme ça. Je suis sûr qu'il a envoyé à peu près 20 SMS au moment où il y a eu le premier but de Paris. Mais genre ça y est, on a gagné. Et puis non. Eh ben, c'est fini. Alors donc, Raphaël Magri. Et tout, tu es venu nous parler d'un smartphone. Alors bien moins cher que le drone, c'est... Et moi, bien moins cher que les joueurs aussi. Ouais. Bien moins cher que les joueurs. Mais il vole moins bien que le drone. Mais il atterrit plus vite, on va dire, ouais. Si on lance. C'est le Huawei P Smart. Alors le P Smart, c'est une référence qui est un peu nouvelle en France chez Huawei. C'est, on va dire, un milieu de bas du milieu de gamme. Il est à 259€. Donc c'est un produit très accessible. Et qui va reprendre le fameux format 18/9, donc le format panoramique. Alors chez Huawei, on l'avait déjà vu hein, avec le Mate 10 Pro par exemple. C'est un format qu'on connaît bien depuis le S8, etc. Mais maintenant, les fabricants nous proposent des formats comme ça à des prix vraiment très accessibles. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur ce smartphone, déjà, globalement, le constat est assez positif. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'on a un écran de 5,6 pouces. Donc c'est à la fois grand et pas si grand que ça, parce que souvent sur des formats 18/9, bord à bord entre guillemets, on a des formats, ils en profitent pour mettre des très grands écrans. Et moi je trouve le parti pris de mettre un écran finalement pas si grand que ça, ça permet d'avoir un appareil quand même assez compact en main, qui est à peu près le format, moi je sais pas, un peu plus grand qu'un iPhone, comme un iPhone 10 à peu près en fait, finalement. Et je trouve ça assez bien parce qu'on peut presque l'utiliser à une main. Ouais. Donc alors, je trouve que l'iPhone 10 est un peu petit, hein, finalement. Alors, mais bon, c'est un autre débat. Alors oui, bon, ça c'est une question de goût. Moi je trouve que c'est même... moi j'adore le format de l'iPhone 10 et je trouve qu'on a un format un petit peu voisin. C'est peut-être parce que tu étais habitué justement au 7 Plus, etc. Voilà. Moi je trouve ça trop gros. Donc voilà, donc vraiment ce grand écran, mais avec un format assez compact, et ce grand écran qui en plus est de très très bonne qualité. Alors évidemment, c'est pas de l'OLED, c'est pas de la AMOLED, c'est du LCD, mais il est bien contrasté et très très lumineux. C'est 560 candélas par mètre carré pour les gens à qui ça parle. Donc en gros, c'est juste un des écrans qui est parmi les plus lumineux. Donc vraiment, c'est-à-dire qu'en gros, pour voir ce qui se passe quand on est à l'extérieur, même en plein soleil et tout, ça passe bien. Bon, le design, un design très sobre, en métal, assez... assez classique. La puissance, c'est un processeur milieu de gamme de chez Huawei, un Kirin 659. Donc c'est fait maison. C'est du fait maison. 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, c'est pas beaucoup, mais on peut mettre une carte micro SD ou une seconde SIM, hein, mais en micro SD, là, on peut aller à 256 Go. L'endurance, finalement, c'est comme la puissance, c'est-à-dire c'est moyen, pas exceptionnel, on tient la journée. Donc il se démarque pas par son endurance, mais par contre, c'est pas non plus pénalisant. Finalement, ce qui va être pénalisant vraiment, enfin, on va dire semi-pénalisant, c'est qu'il n'y ait pas d'USB type C, donc pas de charge rapide. Ah oui. Donc on a encore le bon vieux micro-USB. C'est pénalisant, mais enfin, à ce prix-là, c'est quand même... Il a un joli look. Hein. Il a un look franchement très sympa. On dirait un iPhone 6, pardon. Mais bon. Oui, bah de toute façon, maintenant, c'est toujours le même truc. Hein. Donc pas d'USB type C, c'est pas dramatique à ce prix-là. La qualité photo en basse lumière, qui est très moyenne, voire très médiocre, à ce prix-là non plus. C'est pas une catastrophe. Le prix, tu as dit pas. Combien 259. Ouais. On n'est pas dans des mobiles quand même très chers. Surtout qu'en qualité photo, en extérieur, en soleil, en pleine lumière et tout, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est le compromis et le bon compromis. C'est le petit prix. C'est pas un Mate 10 Pro quand même. Ah non, ça n'a rien à voir. En qualité photo, on est très 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 loin du Mate 10 Pro, des S8. Non, mais on a des années-lumière de ça. Mais forcément. Mais dans cette gamme de prix, c'est très acceptable. En plus, il y a un second capteur qui sert à rien si ce n'est avoir l'effet bokeh, le flou d'arrière-plan, qu'on a d'ailleurs sur le capteur de selfie. Donc on se demande à quoi il sert le second capteur, parce qu'à l'avant en fait il fonctionne bien. Est-ce qu'il n'y a pas un petit coup marketing pour dire on a un double module caméra, je ne sais pas. D'accord. Mais on a l'effet bokeh, c'est toujours sympa d'avoir ce truc derrière-plan. Peut-être qu'il y en a un qui n'est même pas activé en fait. C'est un fake. On va rien leur dire. Ça va passer comme du feu. Non, on plaisante. C'est pas mais voilà, le capteur d'empreinte digitale à l'arrière. Par contre, j'en parle du capteur d'empreinte digitale parce que c'est le capteur Huawei et qui est très très rapide. Voilà, donc très efficace aussi. On voit que tu t'es entraîné sur Huawei. Hein. Tu Huawei, dis beaucoup mieux. C'est l'école Adrien Branco. On appelle ça l'Adrien Branco School. Exactement. C'est-à-dire en gros une tape sur la tête si on dit Huawei. Voilà, parce qu'on dit pas Huawei. Huawei. Voilà, Adrien il tient beaucoup. Et tu dis le A à la fin ou pas? Oui, Huawei. Comme Stromae ou Huawei. Huawei. Faut s'y habituer.
Ça va bientôt être un jour, ce sera le leader mondial peut-être, alors autant s'y habituer. C'est vrai. Et alors par contre, il y a quand même deux cas de figure, parce qu'en fait, ce smartphone, Huawei justement a sa marque, mais il y a aussi Honor. À Marseille, ils disent Huawei. Mais il y a aussi sa marque Honor qui fait du flagship un peu moins cher. Et en fait, ce Huawei P Smart, c'est en fait exactement le même smartphone que le Honor 9 Lite qui vient de sortir aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il sort deux fois le même smartphone. Il n'y a pas un peu trop de références chez Huawei. Alors, mais il se cannibalise un peu. Alors, disons qu'il y a deux cas de figure. Soit on est chez son opérateur, on est bien chez son opérateur, on peut renouveler son smartphone. Et ben, ce smartphone, en général, on va l'avoir à 1 euro. Donc, si on n'a pas peur de s'engager... Un euro, franchement, allez-y. Bah oui. Si vous êtes plutôt du genre à vouloir être chez des opérateurs avec des forfaits sans engagement et que vous tenez à payer votre smartphone qui peut être parfois plus rentable si on peut se le payer, dans ce cas-là, allez peut-être voir le Honor 9 Lite qui, lui, est vendu, même configuration, à 229 euros avec 30 euros même de remboursement, c'est-à-dire 199 euros. Donc franchement, au niveau rapport qualité-prix, on l'a pas encore testé. On va le tester très rapidement sur zeronet.com, mais... On va dire, sachant que c'est la même configuration, il y a des chances que ce soit les mêmes résultats. Jérôme a raison. Il y a enfin, moi perso, je trouve qu'il y a trop de références entre Huawei, Honor, etc. Mais moi, je leur ai dit, je prends pas. Vous c'est sortez... bizarre, quoi, qu'ils sortent autant de téléphones. Ça fait plusieurs fois, c'est comme le Honor 7X qui est le même que le Mate 10 Lite. Mais bien sûr. Ils sortent les mêmes produits et je leur ai dit, mais vous cannibalisez complètement. Ils me disent, oui, mais c'est pas grave, ça reste dans la maison. Ça fait deux marques, on va vendre plus de smartphones, ils sont assez pragmatiques. Et puis chaque fois qu'il y a un nouveau, on en parle. Donc voilà, ça permet de parler exactement, ils sont assez pragmatiques. Et en fait, Honor, à la base, leur, disons que ce qui les différenciait, c'est qu'ils ne vendaient qu'en ligne sur leur site, etc., ou sur Amazon. Et aujourd'hui, Honor, ils commencent à vendre en boutique. Donc finalement, on se retrouve avec deux fois la même chose. Donc c'est difficile, c'est des écarts un peu marketing. Mais il y a encore une petite raison de se différencier chez les opérateurs où Honor n'est pas forcément. Donc voilà, mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, on va se dire que vendre deux smartphones à deux prix différents, ça fait un peu bizarre. Voilà pour ce Pi Smart. Merci beaucoup Raphaël pour cette analyse très... Justement, qu'on va retrouver avec le flagship rapidement. Bien sûr. C'est quand ? C'est le 25 mars. Le 27 mars, je crois, d'ailleurs. Et c'est à Paris. Grand événement international. Grand événement au Grand Palais à Paris, c'est quand même rare qu'une marque choisisse Paris pour dévoiler son flagship. Alors ça sera quoi, le P11 sans doute. Alors il va s'appeler P20 a priori. Le P20. P20 avec a priori triple module caméra. Voilà. Non pas deux caméras. Mais je vais vous rajouter une troisième caméra. C'est comme les rasoirs. Vraiment à devenir. C'est comme les rasoirs. Voilà. Une lame, deux lames, trois lames. Exactement. Là le poil est là. Qui a bien et là tu dois voir les mecs au marketing. Bon alors attends, on met une troisième caméra. Ils vont être obligés de la brancher parce que après ce qu'ils ont dit dans Zero Life, t'as perdu 12% de batterie. C'est ça. Ça a plus de sens. Et David, je suis d'accord parce que en fait leur enjeu. Ça consomme beaucoup. Techniquement en fait le problème pour on s'est dit à un moment ils peuvent mettre 15 caméras, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant pour avoir des focales différentes et tout. Et en fait l'enjeu c'est même pas technique, c'est de pouvoir gérer l'autonomie et la puissance de calcul avec trois caméras. Donc il va falloir que derrière le processeur et la batterie ça envoie, parce que ça va être à mon avis l'enjeu, il va falloir surveiller ça de très bien très sûr. Et puis surtout qu'est-ce qu'apporte cette troisième caméra? Oui, c'est ça. Peut-être un autre portrait, puisque la seconde caméra chez Huawei c'est du monochrome, du noir et blanc, qui est assez réussi. Avec Leica, en partenariat avec Leica. Donc la troisième caméra, peut-être du mode portrait. Si, mais ça a un sens, parce qu'en fait, quand tu mets deux caméras, après, il faut choisir à quoi ça va servir. Soit c'est du mode bokeh, soit c'est du noir et blanc. Ou alors un ultra grand angle comme chez LG. Ça laisse une option supplémentaire. Et puis il y a Samsung aussi, alors, puisqu'on en parle, c'est le S9. Va miser énormément sur la photo. Ça va être une ouverture du diaphragme, l'ouverture du diaphragme qu'on va pouvoir ouvrir, c'est-à-dire en gros faire ouvrir plus pour la basse lumière, comme ce qu'il faisait avant, et fermer comme dans sur de bonnes un conditions. Exactement, et fermer dans de bonnes conditions lumineuses pour avoir plus de biquets, plus de détails, ce qu'on n'a pas actuellement. C'est impressionnant quand même, ça. On rigole, mais en photo, dans une coque de smartphone, c'est. Mais il ne faut pas que ce soit une usine gaz à utiliser, parce que si maintenant, avant de prendre une photo, il faut que tu règles l'obturation et tout. Pour une cible d'utilisateur, ça paraîtra très rapide. Il y aura une prise jack sur le Samsung Galaxy S9, a priori. Ouf. Non, je dis ça parce que je reçois à l'instant un texto de ma mère qui s'est acheté l'iPhone 8 Plus et qui me dit « Mince, il n'y a pas de prise jack sur l'iPhone 8 Plus ». Véridique, François, tu lui diras de lire tes tests. Véridique. C'est vrai. Voilà, donc c'est bien pensé. C'est du vécu à l'instant. Nous sommes en duplex avec la maman de Raphaël que nous saluons. On l'appelle.
On l'appelle tout de suite. Mais t'aurais pu quand même. Franchement, t'aurais pu lui dire. En elle fait. Achète un iPhone 12 sans consulter son fils. Bah, elle m'a demandé, je lui ai dit, oui, il est bien, mais oui. Et t'as oublié de lui dire qu'il n'y a pas de prise jack. Elle le savait, elle a dû oublier. Ah, enfin, bref. Maintenant, t'es obligé de lui acheter un casque Bluetooth. Oui, je vais lui acheter un casque Bluetooth. Et ben voilà, allez, ta maman sera hyper connectée. Voilà. C'est cool. Alors, elle nous dit sur YouTube. Qui, maman ? Oui. Gros bisous. La soupe, oublie pas le pain. Franchement, Raphaël, t'aurais pu me prévenir. Non, ouais. c'est pas et cool. Vive le Real Madrid. Non, ça, c'est pas possible. C'est pas ta mère. Bon, Raph, on se retrouve bientôt. Bien sûr, vous le savez, tous les samedis matin, entre 9h et 10h. Pas tout de suite, parce qu'avec les JO de Corée du Sud, on l'appelle. On se retrouve plus le samedi matin sur RMC. On se voit plus. C'est pas embêtant, mais ça va revenir bientôt. Voilà. Écoutez, oh my God. Mais il y a le Mobile World Congress. Oui, et on se retrouve à Barcelone bientôt. Oui, tous là, tout le monde. Lundi, mardi, 13h-14h pour deux lives. Pas lundi prochain, lundi d'après. Exactement, voilà. Là, il y aura du smartphone. Il y aura du smartphone, ah oui, il y aura du lourd, les amis. On va parler de 5G, etc. Enfin bref. Messieurs, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. David, la question, oui, la question Zéro Net Orange. Alors, on n'a peut-être pas les résultats, mais on va vous reposer la question parce que je trouve qu'au niveau rédactionnel, elle est puissante. Possédez-vous un drone ? Mais moi, je trouve qu'elle est informative. Ah, mais complètement. Voilà. Possédez-vous un drone ? Oui, non. Voilà. Possédez-vous un drone ? Oui, non. Vous vous dites, tiens, j'aimerais bien avoir le résultat. Eh bien, nous aussi. Mais on va l'avoir bientôt, ça va marcher, je pense. Les meilleurs techniciens de Next Radio TV sont sur le coup, les amis. C'est sûr. Bonne soirée, Jérôme. Bonne soirée, François. Merci à Jean-David Duat, à Pierre Thiolin. Et puis merci surtout à vous tous de nous avoir suivis. Oui. Aujourd'hui encore, rendez-vous la semaine prochaine. Moi, je serai vite. Pas là. Oui, c'est vrai, je serai tout seul. Tiens. Ouais. Tu vas bronzer ? Je vais essayer. Bon courage. Allez, bonne soirée à tous. Salut, bonne soirée.